vidéo d'avertissement sur les routes, la limitation de vitesse à 80. Donc là, je vous fais une démo sur ce qui se passe sur, sur cette même route. Donc là, je suis sur une route, voilà, c'est une nationale. Là, on voit le panneau ici, je vais ralentir, 90, voilà. Donc là, on voit bien 90, ok. On voit bien que c'est une voie à double voie, voilà. Tout au moins pour tout de suite. Donc ce qui va se passer, c'est qu'après, je vais tomber sur cette même route, ce même tronçon, avec, ça va se concentrer sur une seule voie. Et là, le panneau n'est plus 90, mais 80. Donc c'est là que vous risqueriez de vous faire avoir. Alors je fais cette vidéo, c'est pas pour faire une leçon de morale sur le 80-90. C'est tout simplement pour avertir que c'est là que vous risqueriez de vous faire avoir. Parce que même si vous avez le régulateur de vitesse, il va falloir penser à le mettre de 90 à 80. Et là, regardez le panneau. Hop, je ralentis un peu. 80. C'est là que vous allez vous faire avoir. Voilà, donc ça, c'est un exemple sur une route parmi tant d'autres, bien sûr, parce qu'il y en a tellement. Alors, pour moi, la meilleure solution, voilà, de ceci, pour ne pas se faire avoir, parce que comme je vous dis, même avec le régulateur de vitesse, il va falloir penser à le basculer à 80. Et là, on n'y pense pas tout le temps. Et même si vous êtes prudent, vous n'avez pas de régulateur, vous faites attention, ça va tellement vite, que croyez-moi, le mois prochain, ils ne vont pas se gêner pour vous verbaliser. Et ça va aller très vite. Donc, la meilleure solution pour moi, eh bien, c'est de rester à 80. Voilà. Même si c'est 90, mettez votre régulateur de vitesse à 80 et non pas à 90. Enfin, bien sûr, vous pouvez le mettre à 84, voilà, voire 85, mais normalement c'est 84. C'est le mieux à faire, même si c'est. Alors, bien sûr, vous allez me dire, si c'est une route où vous êtes sûr que c'est tout le temps 90, eh bien là, mettez votre régulateur comme bon vous le semble. Mais sur des routes comme ça, franchement, moi, le conseil que je vous donne pour ne pas vous faire avoir, parce que ça va aller très vite, c'est plafonnez-vous à 80. Voilà, mettez votre régulateur à 80 et non pas à 90. Voilà. Moi, c'est un conseil que je vous donne et moi, personnellement, c'est ce que je vais faire. Donc ça, c'était un exemple parmi tant d'autres. Je peux vous en donner d'autres. Voilà, je vais reprendre cette même route dans le sens contraire. Et vous allez voir que c'est pareil. Hop. Donc là, on est à 90, voilà. Là, c'est 90, ok. Donc je vais mettre en pause la vidéo, je reprends un peu plus loin. Donc là, c'est toujours 90. Je suis sur la même route, mais dans le sens contraire. Voilà. Et vous allez voir que plus loin, ça va passer de deux voies sur une voie. Et vous allez voir qu'il y a le panneau 80. Alors, bien entendu. Bon, ça, c'est personnel. C'est un conseil personnel. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hein. Mais voilà, moi, je fais cette vidéo. Voilà, c'est pour éviter que voilà, notre gouvernement, le vôtre, voilà, le mien aussi, s'en mette plein les poches. Donc là, voilà, hop, maintenant, c'est 80. On voit le panneau. Attention, il y a un virus. Shut the fuck up. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Et encore une fois, un conseil perso, moi c'est ce que je fais. Je roule à 80. Comme ça, je suis tranquille. Et au moins, je garde mon permis et je garde mes sous. Donc voilà pour vous.